Qui avait suivi durant le tour de Corse, j'étais allé visiter un terrain sur lequel il y avait quelques épaves intéressantes. Alors, je me suis porté acquéreur d'un petit lot. Voilà, on va essayer. Alors, a priori, ce ne sont pas des véhicules que je prévois de restaurer, mais au moins de les remettre en état et afin qu'ils trouvent un acquéreur qui saura donner à chacun de ces véhicules le temps qu'il faut pour le remettre définitivement sur la route. Voilà, donc là je suis parti pour deux heures de route et j'espère ne pas trop galérer pour les extraire, parce que là encore, depuis le temps qu'ils sont arrêtés, on a toujours des surprises, les freins bloqués, enfin bon, je n'ai pas besoin de vous faire l'article. Je pense que au fur et à mesure de mes vidéos, vous vous en rendez compte, ça n'est jamais véritablement une partie de plaisir, enfin, si, c'est une partie de plaisir, mais jamais, ça n'est jamais un long fleuve tranquille, voilà. Donc, je croise les doigts pour que tout se passe comme il faut et que j'arrive à faire tout ce que j'ai prévu aujourd'hui. On a un beau soleil ce matin, mais alors, comme vous pouvez voir, ça pique. 1 degré, il y avait bien longtemps que nous n'avions pas eu des températures aussi basses. En même temps, c'est pas comme si on allait vers l'hiver. Donc bon, on va pas se plaindre non plus. D'années qu'elle est là, 4200 km d'origine. Voilà, l'idée c'est de l'extraire de là, de lui redonner Allez, j'ai laissé les deux Peugeot sur le terrain d'un ami là, en attendant de pouvoir m'en occuper. Allez, elles seront toujours mieux que là où elles étaient. De toute façon, elles allaient mal finir. Et au passage, vous l'aurez compris, j'ai récupéré la remorque. Bon, il y a beaucoup de boulot dessus. Il y a beaucoup de boulot, mais une double essieu, il faudrait que c'est quand même bien pratique pour tracter.
Ah, ça y est, la voiture est chargée. Une fois encore, les pneus ont pris cher. Là aussi. Mais alors, franchement, là, elle fait peine. Mais je vais lui redonner une seconde jeunesse. Et je la trouve vraiment super mignonne. Bon, après, il faut pas regarder dedans. C'est vraiment le bronxon. Elle a été chargée de tout et de rien. Ouais. 4200 km. Petite voiture qui a 20 ans d'âge. Enfin, plus de 20. Qu'est-ce que je dis, 20 ans d'âge? Oui, c'est ça, 28 ans, elle est de 95. Donc 28 ans d'âge, bientôt 30 ans. Et il n'y en a que 4000 km. Allez. Alors le problème quand je suis seul, là il va falloir que je raccroche la remorque pour pouvoir descendre la Skoda. Le seul souci quand je suis seul, c'est que il faut que j'arrive à viser pile poil. Et je dois avouer que si j'avais une petite caméra de recul sur ce X3, ça serait pas mal. Je pense que je vais réfléchir à l'option. On doit en trouver avec des petits écrans tactiles. Ça serait parfait. Là, je vais essayer de me débrouiller comme je le fais d'habitude. On va y aller à tâtons. Le gros problème de cette remorque, c'est comme ça fait très longtemps qu'elle est arrêtée. Ici, il n'y a plus d'étanchéité, donc ça pisse tant et plus. Donc du coup, le vérin ne monte pas. Donc je suis obligé de faire avec les moyens du bord. Rien n'est jamais simple. En plus, avec les quatre pneus qui sont complètement à plat, ça va pas être coton pour la sortir.
malheureusement. Les amortisseurs de coffre ne tiennent plus. Allez, on va commencer par vider tout ça. Il y a de l'outillage. Je ne suis pas sûr que ce soit de la grande qualité, mais il y a certainement des choses à récupérer là-dedans. Kit de réparation de transmission. Je viens de changer deux pneus. Alors c'est rigolo. Ça, j'ai mis la roue de secours. Elle est neuve. Elle est neuve d'il y a bientôt 30 ans. D'ailleurs, on note, il n'y a pas encore, comme c'est la réglementation maintenant, il n'y a pas dessus la datation du pneu avec la semaine et l'année. Ah. C'est juste en dépannage en attendant d'avoir les 4 pneus neufs. Ça va me permettre au moins de la bouger sans trop stradier. Bon, je vais passer la voiture au Karcher. Mis à part que j'ai une pièce là dedans qui est fendue, en l'occurrence elle est fendue ici sur la partie qui est scellée d'origine avec le plastique. Du coup, dès que je le mets en route, ça pisse de partout. Donc là, j'ai commandé la nouvelle pièce et je vais me la changer de suite. Ça y est, elle a eu droit à un gros nettoyage. Alors pour l'instant, ça n'est que du nettoyage. Bon, la malle arrière,
Il y a quelques petits points à reprendre, mais rien de dramatique. Voilà, quand même tout de suite une autre allure. J'aime beaucoup ces jantes BBS. Alors pour l'instant, on ne s'est pas encore occupé de l'intérieur. Je répète, parce que ça vaut quand même le détour. Voilà, 4296 km d'origine. Pas un de plus, pas un de moins. Ça y est, le nettoyage est terminé. Je dis bien le nettoyage. Donc, au niveau carrosserie, je n'ai rien fait de plus. Juste un gros nettoyage. Alors, on a enlevé tous les lichens. Bon, il y a encore des traces. Mais ça, c'est pas trop inquiétant. Je pense qu'avec les bons produits, il y a de quoi tout enlever. Skoda Auto. Après l'intérieur, franchement, on voit que c'est une voiture qui n'a que 4200 km. L'intérieur, il est juste neuf. Voilà. C'en est bluffant. Il est neuf de chez neuf. Bon, il n'y a que derrière. Fort que je mette un petit coup. Il y a de l'huile, il y avait un bidon d'huile dans le coffre. Et donc ça m'a dégueulassé. Mais pour le reste, franchement, elle est top.